À la fin de l'année, en 2015, à Paris, va se tenir la conférence internationale sur le climat, la COP21, où en fait les gouvernements vont négocier, échanger sur l'adoption d'un nouvel accord sur le régime climatique qui devra rentrer en vigueur en 2020. Donc, dans ce cadre-là, en fait, c'était important de profiter de cet événement pour échanger avec les citoyens sur à nouveau les enjeux du climat et de voir un peu ce qui se passe au niveau international et quelles sont les actions mises en œuvre par les gouvernements pour essayer de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et là encore, d'échanger sur le citoyen, sa place là-dedans, comment il peut contribuer en s'informant, en partageant les connaissances, les ressources, et aussi en se mobilisant. Donc, il y a par exemple l'exemple de la marche pour le climat qui a eu lieu en 2014, où des milliers de citoyens de par le monde se sont mobilisés pour demander au gouvernement d'avoir un engagement fort à l'occasion de la conférence climat. Alors le projet L'Europe, le changement climatique, la transition énergétique, ma région et moi, en fait est un projet qui a été réalisé par Énergie 2050 en 2015 et qui intervient dans le cadre du programme Citoyenneté européenne de la région PACA, donc qui a été soutenu par la région. Et en fait l'idée c'était d'organiser des rencontres citoyennes pour échanger sur ces enjeux et pour sensibiliser sur les opportunités d'action qui existent aux différents niveaux, à la fois au niveau européen, au niveau de la région, au niveau territorial, et surtout le citoyen, quel est son rôle là-dedans? Donc c'était l'idée de départ en fait un peu de ce projet, c'est ce qui nous a motivés, c'est en fait entrer en contact directement avec les citoyens pour leur montrer un peu les grands enjeux de la transition énergétique et leur montrer également qui sont concernés par cette transition et qu'ils font partie d'une entité qui est l'Europe, qui a des gros programmes pour cette transition en termes d'énergie renouvelable, efficacité énergétique et ce type de choses. Pour les citoyens, donc nous on a mis en avant le fait de s'impliquer dans cette thématique. Également, quels sont les moyens pour le citoyen de s'engager? Donc ça peut être mettre en œuvre au niveau personnel les démarches de la transition énergétique, c'est-à-dire sobriété énergétique, développement des énergies renouvelables, efficacité énergétique des équipements, ce genre de choses, de leurs bâtiments. Une autre chose, c'est de s'impliquer, donc d'aller dans des réunions, de s'informer, d'être très actif sur ce type de thématique et éventuellement de venir participer avec nous sur nos actions. Donc, pour mettre en œuvre ce projet, on s'est associé à différents partenaires, ce qui montre bien qu'il y a différents acteurs sur le territoire qui interviennent sur ces thématiques.